Et nous voici sur la 21e étape du Tour de France, l'arrivée sur les Champs-Élysées, 120 km, avec un finish évidemment au sprint, c'est tout plat. Alors ici, on joue bien entendu la carte Cavendish, qui est en plus 2 aujourd'hui. Alors ici, j'ai tout protégé, hein. J'ai protégé Cavendish, j'ai protégé Bonnen, j'ai protégé Martin et j'ai protégé Stibar. Alors, Stibar est en moins 4, ça m'embête un petit peu. Donc, il va falloir que je le remplace, je ne sais pas encore par qui. J'ai Backlands en plus 3, donc je vais peut-être inverser les deux tout simplement, mettre Stibar sur Backlands. On verra. J'ai un maillon de ma chaîne en moins, mais j'ai confiance. Il n'y aura pas. Là, j'ai Degant qui est en relais pour reprendre les échappées, pour pas leur laisser trop d'avance. C'est une étape qui est très courte, hein, donc il faut pas non plus leur laisser prendre trop d'avance. Et voilà, le suspense de la dernière étape arrivée au sprint, qui en principe est très très nerveuse et la victoire se joue pas si facilement que ça. Donc on a réussi 20 étapes sur 21. Ce serait bête de foirer à ce niveau-là. On va accélérer un petit peu. Hop. Voilà, bon, la Giant Shimano et l'Auto Bellisol, donc respectivement pour Kittel et Greipel qui font la chasse à l'échappée. On est à 26 km de l'arrivée, 1 minute 15, on est largement dans les temps pour rattraper l'échappée pour la victoire. Il n'y aura aucun problème. Donc Cavendish est remonté en très bon, en fraîcheur. D'ailleurs, on va augmenter le niveau d'effort de tout le monde. Tony Martin est en excellent, Bonnen est en bon, je crois. Donc on a une équipe pas mal. Nous voilà à 17 km. Alors on va mettre deux gants devant pour démarrer mon train. Donc Stibar, je ne vais pas l'impliquer dedans. On va mettre donc Backlant sur deux gants, Martin sur Backlant. Ensuite on va continuer avec Bonnen qui sera mon poisson pilote. Et voilà. Nous voilà partis, le temps que tout ça se forme. Degant, faut pas qu'il parte trop vite, faut qu'il attende le train. Voilà, le train est tout formé, il n'y a plus qu'à s'extirper du peloton. Cavendish qui reste coincé. Bonhomme aussi. On va dire à Degant qu'il accélère un petit peu. Parce que là, on arrive très 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 vite sur l'arrivée. On n'est plus qu'à 11 km. Hop, c'est parti. Attention de ne pas perdre les coureurs. Là, on se met à 95. Il y a juste une petite chose qui est dangereuse sur l'étape des Champs-Élysées. C'est cette toute petite montée qu'on voit ici. Là, à chaque fois, on fait le tour et on passe dedans. C'est une montée qui monte à 5-6%, je crois. Et du coup, c'est hyper casse-pattes pour vos sprinteurs. Donc, il faut faire attention de ne pas trop les mettre dans le rouge. Donc, dès que vous voyez que vous arrivez dans cette montée-là, baissez tout de suite le niveau d'effort de votre premier coureur. Pour être sûr que le sprinteur passe sans trop se mettre dans le rouge. Là, on a Degant qui va en terminer. On va pouvoir mettre Backlands à la suite. On va le laisser à 95, Backlands. J'ai pas envie de mettre plus. Donc là, vous voyez qu'on arrive bientôt dans cette montée. Voilà, là, il y a la petite descente. Et après, ça remonte. Donc là, mettez-vous à 85 pour éviter de ruiner vos sprinteurs. Voilà, ça monte même à 12%, 14% même. Donc, alors là, attention à qui on a perdu. Faut attendre que le train se reforme correctement. Voilà, on voit Cavendish qui est encore un petit peu coincé, qui va arriver à recoller. On est à 4 km de l'arrivée. On envoie les chevaux sur Backlands.
Le sprint, j'avais pas vu qu'on était déjà aux 3 km. Donc là, du coup, Toddy Martin, il va pas du tout nous servir. Donc on va envoyer tout de suite le sprint sur Bonhomme. On va garder. Hop, on met le gel sur Cavendish. On va voir ce que ça va faire. Peter Sagan qui part très vite. D'ailleurs, on le bloque dans le coin. Voilà. Et à 1,5 km, on envoie Cavendish. Cavendish face à Greipel. Alors là, on est pour le moment devant. Il reste encore 500 mètres. Et on va rester devant. Et voilà notre 21e victoire sur le Tour de France. 21 sur 21. Challenge réussi. C'est parfait. Même avec un train de sprint un peu raté, quand on a les meilleurs coureurs du jeu, c'est toujours plus facile. On va regarder les podiums. Alors le gagnant de l'étape, Mark Cavendish. Qui a le droit d'embrasser les deux jolies filles. Le maillot jaune, c'est Christopher Froome devant Contador et Uran. Notre Uran qui finit troisième. Alors, si j'avais joué le contre-la-montre, on aurait peut-être pu faire deuxième, mais bon, c'était pas mon but. Le maillot vert revient à Mark Cavendish grâce à toutes ses victoires d'étape. Le maillot à pois est pour Rigoberto Urán grâce également à ses victoires d'étape au sommet. Le meilleur jeune, c'est Thibaut Pinot devant Kwiatkowski. Kwiatkowski a plus de 5 minutes. Hein. Bon, bah, on n'aura pas réussi ce classement-là non plus. Et la meilleure équipe, Omega Pharma Quick-Step, largement devant, à 43 minutes d'avance sur la Team Sky. Alors là, c'est magnifique aussi. Et voilà, se termine notre petite saga Tour de France avec des coureurs impressionnants. Toutes les victoires au sprint avec Cavendish, toutes les victoires en montagne avec Uran, Kwiatkowski et Stibar pour les étapes un petit peu plus vallonnées. Et on a eu Thomas de Gent, 2 victoires en échappée, Backlund, 1 victoire en échappée. C'est le carton plein. Et je suis très content d'y être arrivé parce que c'était quand même pas gagné d'avance. Alors après, bah merci pour tous ceux qui ont suivi cette petite saga et qui s'est intéressé. Hein. Moi, ça m'a fait plaisir de le faire. Alors après, je sais pas si j'enchaîne sur quelque chose ou non. J'ai pas beaucoup d'idées. On m'a demandé de faire la même chose sur la Vuelta et le Giro, mais bon, une fois qu'on y avait une fois. Alors, si vous avez des idées de défis un petit peu loufoques sur Pro Cycling Manager 2014, je suis prêt à les relever et on peut essayer de faire un truc comme ça, que ce soit une classique, que ce soit un tour, que ce soit faire un bon résultat avec un coureur en particulier, que ce soit n'importe quoi, laissez votre imagination faire et si vous avez des propositions, n'hésitez pas à le faire en commentaire de la vidéo. Et n'hésitez pas à partager non plus. Bah, je vous remercie à tous. Allez, ciao!